Ce soir, nous parlons à Ténua Limité, une compagnie qui offre un service externalisation de la comptabilité. Sa compagnie-là existait depuis 5 ans et il est en expansion. Et ce soir, nous parlons à la rencontre de ce directeur et aussi témoignage d'un employé. Jimmy Lachmia, ou directeur de Ténua Limité qui trouve à Eben, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs c'est quoi exactement Ténua et de qui secteur activité ETT? Donc, Ténua, c'est déjà une plateforme de production comptable pour un groupe d'expertise comptable en France qui est plus connu sous le nom du groupe Amaris. Et comme on vous disait, nos principales activités, c'est la comptabilité française. La comptabilité française, que nous pouvons faire de la tenue, qui est plus connue à Maurice sous le nom du bookkeeping, mais pas comme tout BPO, nous permet à achieve l'ambition comptable qui beaucoup jeunes en a aujourd'hui. C'est-à-dire, nous pouvons faire aussi de la tenue, la révision comptable, la préparation de déclaration TVA, la préparation des autres déclarations fiscaux qui sont obligatoires en France, mais aussi l'audit et les bilans, les comptes finaux. Donc, nous démarrer dans cette activité-là, mais au jour d'aujourd'hui, nous faire aussi de l'administratif, le développement des logiciels comptables et nous fait commencer nous dans la comptabilité belge. Et Diane Ténua, comment les films évoluent au fil des années? Donc, en 2018, M. Claude Robin, qui est le président du groupe Amaris, il me prend contact avec moi pour, comme beaucoup de sociétés en France, externaliser cette partie de production comptable. Donc, nous créons Ténua en 2018 pour 5 à 10 employés. Et l'évolution, il fait que aujourd'hui, nous arrivons à 60 personnes. Donc, nous perdons une bonne évolution. L'impact du Covid ne pas trop ressenti. Au contraire, le fait qu'il y ait un gros impact en France, la confiance et le besoin en termes de main-d'œuvre, en termes de comptable, que ce soit jeune ou expérimenté, inaugmenté, inaccru ici chez Ténua. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous dépassons le soixantaine d'employés. Et dis-nous, quel avenir vous préconisez pour ce secteur-là? 15 ans de cela, comme une démarche de la comptabilité française, c'était simplement à cause d'un changement de loi en France. L'audit était obligatoire pour les petites et moyennes entreprises. Du jour au lendemain, plus. Du coup, chiffre d'affaires pour sa main de compagnie française, là, il baissait. Et l'externalisation, le BPO, c'était déjà quelque chose ancré à Maurice, mais pas au niveau de la comptabilité française. Et petit à petit, 15 ans, il passait, cote 10, une dizaine de compétiteurs dans le marché de la comptabilité française. Et quand on dit, nous démarrons, dans la comptabilité belge aujourd'hui, cote ça aussi, puis commence à gagner un marché qui peut vraiment, vraiment grandi. Et une soixantaine d'employés chez Ténua puis commence à être trop courte pour subvenir aux besoins du groupe Amaris. Et ce sera le cas pour plusieurs sociétés en France, je pense. Ridouane, est-ce que tu as dit à nos téléspectateurs ton parcours au sein de la compagnie ici à Ténua? En fait, maintenant, on travaille ici en 2018, c'est-à-dire la société fait créer. Il fait presque 3 ans qu'il est là. Donc, je suis rentré dans 10 mois avec Jimmy, elle est directrice de la société. Et on est rentré comme agent de saisie. Et maintenant, on est supervisé à collaborateur comptable. Pendant 3 ans, la société est bien avancée. C'est ça, 10 personnes. Maintenant, nous avons presque 60 employés. On a 2 succursales, un à Grand-Bé et un à Eben. Et le travail consiste à quoi exactement, hein? Mon travail, c'est responsable d'une équipe, l'équipe Amaris Contact. C'est une équipe d'une dizaine de personnes. C'est une équipe considérée comme un collaborateur comptable. Ça veut dire que nous traitons de chez comptable Banque Client France. Nous préférons principalement comptabilité française. Nous faisons la saisie, comme ça veut dire bookkeeping, révision de chez, nous faisons une déclaration TVA, TVS. Et quelquefois, nous posons une question, nous rendons en contact avec un client pour la préparation de bilan. C'est ça qui nous travaille. Et l'environnement de travail, comment était ici à Ténua?
d'environnement de travail ici, si, j'ai dit peine à pression. Il y a une pression qui nous bat fil, comment dire. Une place qui nous bien, mais quand même nous à l'aise ici pour travailler. Et là, c'est correct. Et donc, si tu conseilles un jeune qui travaille ici à Ténua? Ouais, moi, je suis déjà venu. Ici, il y a pour faire un seul type de travail, il peut avancer. Pour prendre une société ou rentrer comme agent de saisie ou faire seulement agent de saisie. Ici, on a la chance avec les temps, avec performance, pour monter. Ce programme est une collaboration entre le ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation et la MBC.